aujourd'hui avec nous. Alors, bienvenue à ce webinaire sur comment préparer un webinaire. Alors, je m'appelle Annick Singor, je vais être votre animatrice aujourd'hui et vous introduire à tous nos participants. J'aimerais, si vous le voulez bien, pour essayer de briser la glace, savoir comment vous arrivez aujourd'hui, vous présenter, juste me donner votre nom et un petit mot pour nous dire comment vous arrivez ce soir. Alors, je vais demander à Roxane, Herbois Vert. Roxane, bonjour Roxane, comment arrivez-vous ce soir à ce webinaire? Bien, j'arrive bien motivée à apprendre comment structurer un webinaire pour aider d'autres personnes à en présenter et à en présenter. Parfait, merci Roxane. Ambre, bonjour. Allô, moi je suis là ce soir parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de webinaire ou même été devant une caméra et présenté quoi que ce soit devant beaucoup de personnes ou peu de personnes. Donc je suis là pour apprendre comment structurer tout ça. Bienvenue, merci. Amal, bonsoir. Votre bonsoir. Micro. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Comment arrivez-vous aujourd'hui dans ce webinaire? Ben, je vous remercie pour la préparation de ce webinaire. C'était mon rêve d'apprendre comment faire et comment me structurer. J'ai hâte d'écouter toutes les instructions. Merci. Très bien, merci. Alors, on va demander à Christian. Bonjour, Christian. Allô. Ben moi, ça me fait super plaisir d'être là. Puis, je suis là pour aider s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Parfait. On va demander à Monique. Bonjour. Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous tous. Et puis, j'espère qu'on va apprendre des choses ensemble ce soir. Ça fait que je vais me préparer à vous présenter ça. Merci. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc, ce soir, pour le webinaire, je voulais vous donner quelques petites instructions de comment ça va fonctionner. Alors, Monique, qui a parlé en dernier, va être la personne qui va nous donner la formation. Donc, Monique, merci pour ce bel élan de générosité et pour cette formation que tu vas nous donner. Alors, pendant la formation, vous pouvez poser vos questions. On a trois façons. Alors, soit on y va au visuel, alors la main levée. On peut le faire aussi à travers le chat ou on pourrait lever la main avec l'outil réaction qui est dans le bas de votre écran. Donc, il y a un petit icône qui dit « lever la main ». On peut utiliser aussi cette manière et on va relayer à Monique, en fait, le fait qu'il y a quelqu'un qui veuille poser une question si elle ne le voit pas parce qu'elle est en train de faire sa présentation. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que vous vous sentiez à l'aise. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a juste que de mauvaises réponses. Alors, c'est Monique que je mets dans le trouble, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes et je pense qu'on va apprendre ensemble. On va grandir ensemble dans cet exercice ce soir. Alors, voilà, je vais laisser la parole à Monique. Merci encore d'être là ce soir. Alors, Monique, à toi la parole. Nous sommes toutes oui. Eh bien, bonjour Annick, merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Alors, ce soir, je vais vous présenter un webinaire sur comment préparer un webinaire, ce qui semble un petit peu redondant, mais bon. Tout de même. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ça ne sera pas long. Hmm.
Bon, alors j'espère que vous voyez bien. Alors, pour présenter un webinaire, je vais vous donner une petite introduction pour nous présenter tous et qui la caravane de la transition pour qui je prépare le webinaire puis pour qui je le présente. Et puis, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait présenter un webinaire puis pour qui, à qui on s'adresse. Et puis, dans le cadre de la préparation, ce qu'il faut dire, comment le présenter, puis comment se préparer. Alors, l'équipe de la caravane, eh bien, c'est les gens que vous voyez là, puis c'est aussi d'autres personnes que vous ne voyez pas encore. Il y a moi, Monique, qui suis retraitée et à mes moments de loisirs, je participe comme bénévole à la caravane de la transition. Il y a Amal qui produit nos guides et nos ressources. Il y a Annick qui nous fait des contenus. Christian est à la coordination. Anthony réalise des vidéos pour nous. Puis on a aussi des nouvelles bénévoles qui n'ont pas eu le temps de nous présenter leurs photos. Alors il y a Ambre, il y a Roxane et il y a Jessie qui se joignent à l'équipe et qui participent avec nous à nos activités. Alors, c'est qui la caravane de la transition? Bien, c'est un groupe de citoyens, citoyennes de Laval qui sont là pour améliorer les rues et les quartiers. Alors, comment? Ce n'est pas en faisant des grands gestes ou des grandes actions, des manifs ou des révolutions, là. C'est en posant des gestes concrets, des gestes pratiques et verts, que on, des petits gestes de tous les jours là, c'est qu'on fait ensemble, c'est des petits pas vers le changement. Et puis, ça permet de connecter les gens, se connecter avec l'environnement et puis se rendre compte que c'est en étant tous connectés, en étant tous ensemble, quelque chose qu'on ne vit pas tant que ça, qu'on devient meilleur, qu'on devient, disons, un meilleur voisinage, des meilleurs voisins. Alors, les activités de la caravane de la transition, en gros, c'est de la facilitation. Ça veut dire rendre votre vie plus facile. Ça veut dire, dans le fond, on met en place des outils pour que ça soit plus facile. Alors, nos outils principaux, c'est notre site web, où est-ce qu'on présente des outils pour créer des activités ou est-ce qu'on va archiver des webinaires qui ont déjà eu lieu et où est-ce qu'on va mettre des informations qui peuvent aider tout le monde. Et puis, on fait aussi nos propres webinaires. Alors, on fait des ateliers de soutien si vous avez besoin des activités qui permettent de vous aider quand vous voulez créer vos propres webinaires ou que vous voulez créer vos propres activités ou que vous voulez donner votre couleur à votre voisinage. Et puis, on veut aussi faciliter les rencontres, ça veut dire des projets de groupe, puis vous permettre, c'est ça, de rencontrer des gens pour briser l'isolement. Pourquoi réaliser un webinaire citoyen? Je dirais là, en gros, c'est pour partager votre passion. Si par exemple, là, je donne un exemple un peu n'importe quoi, si votre passion, c'est de faire pousser des fraises sauvages à travers votre pelouse, bien, peut-être qu'en présentant un webinaire, vous allez trouver des gens qui veulent partager cette passion-là, puis vous allez pouvoir expliquer comment vous y êtes arrivé. Alors, pour pouvoir apprendre des choses avec d'autres personnes, pour pouvoir connaître
vos voisins. Ça peut être vos voisins de votre rue, de votre quartier, puis ça peut être vos voisins Zoom. Je veux dire, le voisinage avec les outils informatiques maintenant, bien, ça peut être nos voisins de Gatineau comme nos voisins de Rimouski, on ne sait jamais. Et puis, aussi, ça peut permettre de mettre sur pied un projet commun. Et puis, se parler tous ensemble, bien, c'est le fun. Et puis, agir tous ensemble, c'est encore beaucoup mieux. Alors, pour notre mission, je dirais, pour la caravane, c'est de cheminer sur le chemin de la transition socio-écologique. Ça veut dire vivre différemment, c'est-à-dire un pas à la fois, apprendre à tisser des réseaux de liens et de soutien avec les gens autour de nous, et puis, disons, développer des nouvelles compétences qui vont nous permettre de vivre plus vert. Et puis, réimaginer toutes les activités de notre vie différemment. Ça peut être le travail, ça peut être les autres activités, ça peut être le loisir, ça peut changer notre façon de vivre pour bien vivre et puis peut-être améliorer de beaucoup notre vie ou juste un petit peu à la fois. Et puis, peut-être arriver à un esprit d'entreprise, créer quelque chose ensemble et se réapproprier l'économie. Alors, qui est-ce qui peut créer un webinaire? Bien, c'est quelqu'un qui veut s'initier au partage d'informations puis à l'animation, c'est sûr, puis qui est prête à partager avec tout le monde qui est autour et puis qui veut, disons, apprendre et puis partager des informations puis des activités. OK? Ça fait qu'on va passer un petit peu sur le format. Le format d'une présentation d'un webinaire, dans le fond, c'est un outil qui vise un objectif. L'objectif, c'est la créativité puis l'adaptabilité. Alors, on veut que toi, l'auteur du webinaire, sois à l'aise. On veut que les gens sentent ta passion et puis que les gens qui ont déjà un peu d'intérêt, parce que s'ils s'inscrivent, c'est sûr qu'ils vont y avoir de l'intérêt, bien, ils peuvent sentir ton enthousiasme puis participer à au changement. Fait qu'on veut que les gens posent des questions puis on veut qu'ils aient la possibilité de co-créer un projet. Fait que pour ça, bien, on veut un format court, vivant, informatif. Quelque chose qui te ressemble, mais qui va permettre aux gens autour de toi de bien comprendre. Alors là, dans les informations plus plates du format, là, il y en a toujours qui sont moins systématiques et moins plaisantes parce que c'est plus pratique. Selon notre expérience à nous autres, là, c'est 90 minutes en soirée, généralement de 18h30 à 20h. C'est pas mal ce qui est le plus, qui à date fonctionne le mieux. Et puis, on prépare ça en deux sections, je dirais. Une section présentation et questions de l'audience. Ça fait que, comme ici, par exemple, si jamais vous avez des questions, ça fait que on prend une période de 45 minutes pour ça, et puis ensuite de ça, une autre 45 minutes pour discussion, puis pour création, co-création d'un projet. Ça fait que c'est, disons, on peut poser les questions. Si je reviens à la question de présentation et question, il y a deux possibilités. On peut poser les questions pendant la présentation
ou on peut encore poser des questions après la présentation. Je dirais que ça dépend du sujet. Il y a des sujets où c'est plus facile parce que quand quelqu'un est coincé sur une question, il n'écoute plus le restant de la présentation, c'est mieux dans ce temps-là de poser les questions au fur et à mesure. D'un autre côté, c'est un inconvénient pour le présentateur parce que c'est plus facile de perdre le fil quand on se fait poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Mais ça peut nous amener, je veux dire, à prendre une petite tangente intéressante aussi parce que des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais qu'on connaît la réponse, puis quelqu'un pose une question, puis ça nous amène là-dessus. Ça fait que faire attention à ne pas déraper aussi, là, c'est la partie question-réponse, ça peut nous amener loin de notre sujet, puis ça peut faire que la durée va être trop longue. Ça fait que c'est à voir, c'est un peu au cas par cas, puis la partie question, bien, c'est du direct, hein? On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Au niveau de la discussion puis de la co-création, la deuxième partie du 90 minutes, bien, c'est là qu'on apprend des gens qui sont venus nous écouter, qu'est-ce qui les passionne, eux, puis qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Puis que tous ensemble, bien, on peut arriver à un ou des projets ou à un début de projet puis qui va demander une autre rencontre. Je veux dire, on ne sait pas trop, mais on espère sérieusement qu'on va arriver à créer quelque chose ensemble avec des gens qu'on apprend à connaître puis qui s'intéressent à des projets concrets et puis qui peuvent nous apporter un nouvel éclairage sur ce qu'on connaissait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans un webinaire? De quoi tu veux parler? Moi, j'ai toujours hâte de savoir de quoi les gens veulent parler, même si je connais un titre puis un nom. C'est pas pareil que d'entendre parler quelqu'un de ce qu'il passionne avec ses mots, avec son expérience. On peut parler de n'importe quoi. Je veux dire, on peut parler du zéro déchet. On peut parler de la meilleure recette de kombucha qu'on n'a jamais essayée. Ou bien encore de la meilleure recette de spaghetti au tofu, que personne ne se doute qu'il y a du tofu dedans. Ça peut être n'importe quoi, des trucs de jardinage, comment faire du savon, ou bien encore comment réutiliser des vieux vêtements qui ne sont pas vraiment finis, mais que ça nous fait quelque chose d'en disposer. Tout est possible là, dans ce qu'on peut dire. Alors, quand on commence cette section-là, la section du « quoi », bien, il faut, dans un premier temps, dire qui tu es. T'es qui, toi, celui qui fait la présentation, là? Je veux savoir de toi, c'est quoi des caractéristiques qui te rendent sympathique? Est-ce que t'aimes ça porter juste du vert parce que le vert, c'est tellement important pour toi dans ta vie, mais que tu sais comment faire du vin de pissenlit. Je n'ai pas besoin d'avoir un CV au complet ou toute ta grande histoire. Ça, quand je te connaîtrai mieux, peut-être que ça sera pertinent, mais dans le webinaire, on ne veut pas aller là. Ça fait que ça, c'est la section sur toi. Maintenant, si on passe au sujet que tu veux nous présenter, bien, on veut faire une courte introduction. Okay. Puis, ce que je voudrais entendre, c'est comment ça fonctionne, puis comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait adapter ce que tu as découvert, ce qui te passionne, comment est-ce qu'il peut l'améliorer avec l'information que tu lui donnes. Ça fait que c'est un beau défi, mais c'est pas si difficile que ça quand même. OK? Ça fait que
Je te donne quelques conseils. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une table des matières pour que tout le monde sache à quoi s'attendre. Et puis, des explications courtes. Ce qu'on veut voir, là, les mots, c'est toi qui les dis. Ils ne sont pas tous écrits sur ta présentation. Dans les diapos, pas beaucoup de texte, juste des aides-mémoires, dans le fond. Et puis, des photos ou des illustrations pour que ça soit vivant, coloré. Et puis, si on veut que ton sujet soit sympathique, bien, on veut entendre parler de ton expérience personnelle. Parce que c'est ça qui rend le sujet, disons, pas juste une présentation d'un expert, mais une présentation d'un voisin, de quelqu'un d'ordinaire qui peut nous apprendre quelque chose comme n'importe qui d'autre qu'on connaît. Alors, comment est-ce qu'on va se préparer à faire un webinaire? Alors, en premier, je dirais, pour commencer, il faut mettre ses idées en ordre. Il faut voir, en prenant des notes, ou à moins que tu puisses tout ordonnancer tes idées dans ta tête. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Tout est possible. Et puis, faut aussi préparer une présentation, soit PowerPoint ou encore Canva, comme on utilise. Je suppose qu'il existe plusieurs logiciels qui permettent de faire des présentations. Ça, c'est pas ma spécialité. Mais il faut penser aussi, une fois que tu as choisi ton logiciel, ça va être quoi ton gabarit, le template que tu veux utiliser, les couleurs, le modèle, et puis c'est quelque chose qui se rapporte bien à ton sujet. Et puis aussi, il faut que tu prépares des notes de présentation. Ça fait que tu penses à ce que tu veux dire, puis tu le notes pour toi, pour que tu rendes ta présentation plus vivante, que tu ne sois pas en train de lire ton PowerPoint et d'expliquer chacune des images qui est là. Ça fait que c'est le départ de la préparation. Ensuite, comment est-ce que tu veux te préparer? Bon, là, j'ai mis trois étapes. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est plus ou moins important. Tu fais comme tu veux. Ça dépend de toi. Ça fait qu'il faut se pratiquer. Ça aide à maîtriser toute l'information. Alors, il faut aussi se minuter pour être sûr qu'on n'a pas préparé une présentation qui dure 2 heures. Et puis, mais on n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas grave si on oublie des mots. C'est pas grave si on tourne les pages trop vite et puis si on bégaye un petit peu. C'est normal. Et puis, on est tous humains, puis ça arrive à tout le monde. Ensuite, on prépare l'invitation sur le site de la caravane. On a des outils pour ça, on a des instructions pour ça, puis on est là pour aider aussi en cas de besoin. Ça fait que c'est pas très difficile. Et puis, si tu as besoin d'aide, bien, ça va nous faire plaisir. Ensuite de ça, il faut préparer le lieu. Alors, le lieu, bien, c'est un peu où tu es, là. Tu essaies de trouver un meilleur décor que moi avec mon mur blanc puis ma porte de garde-robe, là, mais à la limite, c'est pas mauvais non plus. Et puis, si tu as besoin d'un décor spécifique, un décor qui parle de toi, qui reflète ta personnalité, c'est bien. Puis, si tu as besoin de certains objets pour ta présentation, tu peux l'apporter, ton plant de pissenlit que tu gardes tout l'hiver dans la maison. Tu as le droit. Et puis, tu peux apporter aussi des accessoires, des livres, si tu veux montrer des ressources. Tout est possible, puis ça dépend du sujet que tu nous présentes. Il faut aussi faire de la publicité.
Ça peut être de la publicité personnelle, la publicité sur Facebook, tu peux envoyer des courriels à tes amis, le mettre sur Instagram. Puis nous aussi, on peut t'aider. On a notre site Internet, on a notre page Facebook et puis on connaît des gens qui peuvent, disons, publiciser aussi, disons, tout ce que tu nous présentes. Il faut attendre les inscriptions. Ça, c'est possible que ça soit jusqu'à la dernière minute. Des activités gratuites comme on prépare, des webinaires pour les voisins, bien, c'est très, très, très spontané, les gens. Ils peuvent s'inscrire d'avance puis avoir autre chose à faire ce soir-là puis ne pas venir. Puis ils peuvent aussi s'inscrire 5 minutes après le début et puis on ne sait pas. Alors, tu peux avoir un peu d'inscriptions, beaucoup d'inscriptions. C'est une surprise, puis il faut être prêt à ça. Et puis, je dirais, après ça, ben, il reste à découvrir les gens, découvrir ton sujet. C'est une belle aventure préparer un webinaire. Et puis, du début à la fin, il peut arriver plein de choses. Et puis, c'est un beau moment à vivre ensemble. Voilà. Alors, si ça t'intéresse, ben, tu peux regarder ce qui se passe à la caravane. Puis, ça va nous faire plaisir de garder contact avec toi. On aime ça, parler au monde. Moi beaucoup. Puis, il y en a d'autres dans mon groupe. Voilà. Merci. Merci énormément, Monique, pour cette belle présentation. Alors, on revient aux écrans et... voir est-ce que vous avez des questions. On a quelqu'un qui lève la main. Donc, Monique, tu vas avoir ta première question. J'ai Christian qui veut soit poser une question ou faire un commentaire. Alors, Christian, on t'écoute. Oui, merci. En fait, j'aurais une petite question. C'est quand on choisit son sujet, comment on fait pour... parce que des fois, on peut aller prendre plusieurs directions, ça peut être large. Comment on fait pour se synthétiser et essayer de faire en sorte de ne pas aller trop loin et de prendre trop de temps à présenter notre sujet? Bien, je crois que quand on fait un webinaire, à moins que ce soit une série de webinaires, il faut poser l'hypothèse que les gens qui s'intéressent au sujet, c'est des débutants. Alors, il faut partir de la perspective où on prend un sujet qu'on explique de façon courte et synthétique pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Alors, je pense que c'est la façon la plus appropriée pour un premier webinaire. Voilà. Merci, Monique. Alors, à mon tour d'avoir une question pour toi. On parle du webinaire puis de la façon dont ça se fait. Par contre, quel outil technologique nous conseilles-tu pour pouvoir faire son webinaire, puisque actuellement, on est... beaucoup virtuel. Est-ce qu'il y a des outils technologiques qui sont meilleurs que d'autres? On a parlé du temps, on a parlé de tout ça, puis voilà. Donc, as-tu des conseils? Je ne suis pas vraiment une spécialiste. Là, j'ai utilisé PowerPoint à plusieurs reprises. Puis PowerPoint permet d'avoir des notes de ce qu'on veut dire séparément de la présentation. Alors, ça, c'est utile. J'ai utilisé Canva cette fois-ci, ce qui fait de très, très belles diapos aussi. Il en existe probablement d'autres. Malheureusement, je ne suis pas la grande experte sur le choix des outils. Monique, tu réponds très bien à ma question. En fait, c'est parfait que tu ailles dans ce sens-là. Est-ce que en faisant un webinaire pour le bénéfice des participants, est-ce que c'est mieux d'avoir un support comme tu as fait, ou on pourrait faire un webinaire juste en discutant et en prenant des notes, des idées? Comment on garde aussi après le lien avec nos participants, justement? C'est absolument pas obligatoire d'avoir des supports comme PowerPoint, par exemple. On peut
faire un webinaire tout simplement en parlant avec des notes de papier devant nous. Ça aussi, c'est tout à fait acceptable. Je pense que c'est très, très dépendant du sujet puis de la personnalité de la personne qui présente aussi. Là, tu sais. Si tu n'es pas à l'aise avec un outil technologique puis ça, tu viens toute nerveux ou nerveuse parce que tu ne maîtrises pas assez l'outil puis ou c'est quelque chose de trop par rapport à ta présentation, bien, vas-y sans, là, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est peut-être là que la caravane entre en jeu, parce qu'on peut aider justement à animer, à prendre tout ce volet qui peut être un peu plus stressant de oh, comment on anime, comment je fais ça, comment je vais mettre mon document pour pouvoir suivre. Donc, nous, à la caravane, on peut être ce support, on peut être cet appui-là aussi. Donc, effectivement, ce que tu disais au départ, c'est parfait. Il faut que ça nous ressemble. Il faut qu'on vienne avec qui on est pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir aussi permettre aux gens d'embarquer dans notre passion, au fond. Parce que c'est la passion qu'on veut développer. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est vrai, il ne faut pas hésiter à le redire. On est tous là pour aider. On est des facilitateurs. C'est pour rendre la vie facile. Alors, c'est pour rendre la présentation facile, c'est pour rendre une soirée entre voisins plus facile. On espère que les voisins vont la rendre agréable, mais nous, on est là pour la rendre plus facile.